Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Peugeot XP400 GT. Alors c'est un modèle 2023. Dans cette vidéo, je vais vous la présenter en musique, comme d'habitude. Ensuite, je m'équipe et on part pour un petit essai routier. Je vais vous donner mes sensations, je vais vous dire ce que j'en pense. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous mets un tableau des plus et des moins. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner et à me mettre un pouce si vous aimez la manière que j'ai de vous présenter toutes ces machines. Allez, c'est parti. Allez, on passe à la fiche technique de ce Peugeot XP400 GT, modèle 2023. Donc pour le moteur, c'est un monocylindre Power Motion 4 temps à refroidissement liquide. La cylindrée sera de 400 cm3. Vous aurez une puissance de 36,7 chevaux à 8150 tours minute et un couple de 38 Nm à 5400 tours minute. La transmission, elle se fera par variateur. Au niveau des dimensions et poids, donc vous aurez une longueur de 2,19 m, une largeur de 0,87 m, donc un peu moins de 2 m, une hauteur de 1,19 m, un empattement de 1,55 m et un réservoir qui aura une capacité de 14 litres. Le poids, lui, sera de 231 kg tout plein fait, je reviens dessus en vidéo. Je tiens juste à vous dire que le ADV 350, lui, plus péchu du coup, aura un poids de 186 kg tout plein fait. Au niveau du cadre, donc vous avez un cadre en acier tubulaire, la hauteur de selle, elle, culmine à 815 mm, je reviens dessus en vidéo. Au niveau de la suspension avant, vous avez une fourche télescopique hydraulique Kayaba de 41 mm qui aura un débattement de 140 mm. Pour la suspension arrière, vous avez un ressort combiné amortisseur hydraulique. Bon, pour le frein avant, vous avez deux disques de 295 mm avec étrier radio plus l'ABS. Et pour le frein arrière, vous avez un disque de 240 mm avec étrier flottant plus ABS. Au niveau des roues, alors vous serez monté en 17 pouces à l'avant et 15 à l'arrière. Donc vous aurez des jantes à rayons sur le modèle GT et à bâtons sur le modèle Allure. Tout ceci sera monté sur des pneus mixtes Pirelli STR Rally. Au niveau des performances, donc VMAX 137 km/h, un 0 à 100 qui va s'effectuer en 8,10 secondes. Une consommation de 3,8 litres au 100 avec un réservoir de 14 litres. Pour une autonomie de 280 km avec le plein. Donc il sera dispo en noir, vert, blanc ou gris, comme sur ma version d'essai, pour un tarif de 8499 euros. Alors au niveau des commandes, vous avez quoi? Là, vous allez avoir les boutons pour les lumières, clignotant, klaxon, un bouton exit. Là, vous avez le levier de frein arrière qui sera réglable. Alors de l'autre côté, coupe-circuit, bouton pour démarrer, feu de détresse. Là, vous avez le bouton pour les lumières. Et ici, vous avez le bouton select. Donc exit là-bas, select ici, ça va être pour rentrer dans la console. Donc la console, elle se présente comme ça. Alors compte tour à aiguille ici, écran TFT de 5 pouces au milieu, compte tour à aiguille aussi de l'autre côté. Sur l'écran TFT, vous allez pouvoir faire défiler diverses informations, comme je vous disais tout à l'heure. Donc les tripes, la consommation, le carburant restant, consommation instantanée, etc. Voilà, sinon ça se présente comme ça. Donc pour le coffre, alors je vous marque sur l'écran la capacité d'emport, mais ça sera de un casque intégral maximum. Donc casque jet, modulaire, bien sûr, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas mettre deux casques. Ensuite, vous avez encore un petit coffre ici à l'arrière, ça c'est bien pratique pour éventuellement mettre vos papiers. Avec ici une prise USB pour pouvoir recharger votre matériel. Bon, au niveau du gabarit, ça donne ça. En fait, j'ai pas les pieds à plat, je suis pas sur la pointe des pieds, c'est entre les deux. Niveau manœuvre à l'arrêt, vous allez avoir de très bonnes prises pour manipuler le véhicule, malgré qu'il soit super lourd.
Il me semble 231 kg. Je vous affiche ça sur l'écran. Allez, place à l'essai routier de ce Peugeot XP400 GT, modèle 2023. Allez, on commence de suite par la prise d'angle. Alors, bon, comme vous pouvez voir, ça va. Malgré qu'il y a des pneus mixtes, vous n'aurez pas trop de difficulté à le mettre sur l'angle. Ok. Allez, je vais m'arrêter. On va se faire un petit départ arrêté. Je vais vous dire ce que j'en pense de l'accélération de cette machine. Comme d'habitude, hein, je vous mets la vitesse max, le couple et le 0 à 100 affiché quelque part sur l'écran. Allez, c'est parti. Bon, au niveau de l'accélération, c'est pas foudroyant, hein. Ça sera pas comme sur un XADV ou comme un Forza, ça sera pas non plus comme sur un T-Max. J'ai envie de vous dire, pour du centre-ville, il y en a largement assez. Voilà. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui recherchait vraiment quelque chose de puissant, je pense que ça va peut-être être un petit peu juste. Voilà. Bon, on va se tester le freinage dans ce petit parking qui m'a l'air sympathique, pourquoi pas. Allez, on est parti. J'accélère un petit peu, mais pas trop fort. Et je pile. Freinage combiné. Bon. Freinage combiné, c'est très bon. Voilà, ça marche très bien. Allez, maintenant je teste le frein avant. Ok. Freinage avant, il est bon. Rien à signaler. Maintenant, on va se tester le freinage arrière. Ok, allez, c'est parti. Comme d'habitude, avec un seul disque, ça sera beaucoup moins performant qu'avec deux disques. Donc ça va freiner un petit peu moins bien qu'à l'avant. Mais bon, ça, c'est normal. Je tiens à souligner quelque chose au niveau de cette machine. Je sais pas si c'est le grip au niveau du pneumatique, mais quand je l'emmène, je sais pas, c'est bizarre. J'ai une sensation comme si il fallait que je l'accompagne un petit peu. Voilà. Donc ça, retenez-le. Donc je sais pas si c'est fait. Je sais pas si c'est dû au fait qu'il a des pneus mixtes. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà. Alors on va se tester les amortisseurs ici, un petit dodan, hop. Alors, voilà, là c'est un très bon dodan même. Ça va, ça fait bien le taf. Voilà. Faut savoir, ce scooter, ils ont essayé de lui donner un petit côté aventurier. Quand je dis aventurier, c'est que il a un peu le look d'une machine qui va être typé un peu off-road. Maintenant, je pourrais pas vous confirmer qu'il sera bon en off-road, bien sûr. Voilà, mais voilà, il a des pneus mixtes. Au niveau des amortisseurs, ben, il est plus ou moins équipé pour pouvoir sortir. Donc voilà. Alors, au niveau de mes impressions au niveau de cette machine, qu'est-ce que je ressens? Bon, le guidon, il va être un petit peu large, ça fait penser un petit peu à un trail. Vous êtes entre le scooter et le trail. Voilà, le guidon est un peu large, mais je pense pas que vous aurez de difficultés à vous faufiler. Donc vous avez des pare-mains là de série, donc c'est pas mal. Par rapport à la selle, au niveau du confort, je trouve qu'elle va être moelleuse. Voilà, vous êtes sur un scooter, donc en temps normal, de toute façon, vous aurez toujours tendance à avoir plus de confort sur un scooter que sur une moto. Voilà, donc ça, c'est bon à savoir. Bon, par rapport à l'accélération, c'est pas virulent, c'est pas explosif, c'est un 400, hein.
je tiens à vous le souligner. Vous avez quand même de quoi accélérer, mais voilà quoi, c'est pas une foudre de guerre. Voilà. Bon, faut savoir, cette machine, vous allez pouvoir l'équiper d'un top 15. Bon, on aime ou on n'aime pas. Donc ça, c'est les goûts et les couleurs, à vous de voir. Sinon, voilà, il n'est pas très difficile à emmener. La prise en main, elle va être bonne. Ah, honnêtement, c'est pas, il est très maniable. Donc, ça reste une bonne machine. Hein. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ça va être une bonne machine si vous faites beaucoup de centre-ville. Voilà. Après, si vous avez tendance à faire beaucoup d'autoroutes et des chemins de campagne, peut-être que là, ça suffira pas. Voilà. Sinon, au niveau définition, voilà, c'est Peugeot. Hein. Peugeot, on ne les présente plus. Hein. Ils font des voitures au jour d'aujourd'hui qui sont superbement bien équipées. Donc là, vous allez avoir un tableau de bord avec un écran TFT de 5 pouces comme console centrale qui sera située dans l'axe. Et ensuite, sur les côtés, vous aurez deux contours à aiguille. Voilà. Vous allez pouvoir avoir diverses informations affichées sur votre tableau de bord, comme le kilométrage, la capacité restante du réservoir, mais aussi votre consommation moyenne. Voilà, regardez, là j'accélère un peu. C'est, voilà, c'est vraiment, c'est linéaire. Hein. Là, vous n'aurez pas la patate d'un XADV, d'un Forza ou d'un T-Max. S'il fallait le comparer à une machine, en fait, je pense que je le comparerais au ADV 350. Mais je pense quand même que l'ADV 350, ça, c'est mon avis, je pense qu'il fait quand même un peu mieux. Voilà. Donc il va vraiment être chippé un peu comme l'ADV 350, vous savez, avec des amortisseurs et un look qui donne à croire qu'ils ont la possibilité de faire du tout terrain. Alors oui, vous allez pouvoir faire du petit tout terrain, on va dire. Mais je pense pas que avec cette machine là vous pourrez faire du tout terrain de niveau confirmé. Voilà. Et je pense pas que ça soit son centre de prédilection principale. Voilà. Bon, sinon au niveau de l'assise, regardez, voilà, vous êtes sur un scooter. Par contre, vous n'avez pas la possibilité d'allonger vos jambes, vous savez, comme sur les T-Max. Ça sera pas possible. Voilà, ça sera maximum comme ça. Voilà. Alors, ou les jambes complètement pliées ou légèrement en avant, mais vous aurez guère plus. Allez, on va se tester l'angle de braquage ici. Je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, ça se présente comme ça, regardez. Hop, voilà. On va voir si là ça suffira pour se faire un demi-tour. Oui, oui. Alors, il va bien s'en sortir. Je vais essayer de valider ça en roulant. Et on va voir. Ah, pour un scooter, je trouve qu'il s'en sort plus ou moins bien au niveau de l'angle de braquage. Alors, en roulant, ça donne ça. Voilà. Facile. Bon. L'angle de braquage, c'est bon. Bon, le freinage, c'est bon. On a vu. Faut savoir. Alors, je me suis arrêté. J'ai essayé de rentrer dans l'écran TFT, parce que c'est bien beau de mettre un écran TFT, mais ce serait bien si on pourrait varier, changer les modes d'affichage, tout ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais j'y suis pas arrivé. Alors là, il y a le bouton Exit, il ne fonctionne pas. Et là, le bouton Select, il ne fonctionne pas. Faut savoir, j'ai pas très longtemps la moto, j'ai pas le temps de rester un quart d'heure sur ça. J'essaierai de regarder au montage comment on rentre dans le menu, mais voilà. Faut savoir qu'aujourd'hui, à l'instant T, j'y suis pas arrivé, voilà. Bon, de quoi on n'a pas parlé ? La prise au vent. Alors, je vais vous dire ça. Alors, par rapport à la prise au vent, je me prends de l'air. Du coup, la prise au vent, la bulle, voilà, elle va vous protéger un petit peu.
Mais de par sa position et son design, j'aurais tendance à dire que c'est perfectible. Ça peut s'améliorer. Voilà, c'est pas le top. Voilà, hein, sinon ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, une très bonne machine pour la ville. Voilà. Vous faites du centre-ville, vous avez un 300 ou un 400. Il y en a largement assez. Si vous n'êtes pas à la recherche de quelque chose de super puissant, ça peut être un très bon compromis pour vous. Voilà. Donc, de quoi on n'a pas parlé, les rétroviseurs, on y voit bien, super bien positionnés. Guidon, n'inquiète. Vous allez pouvoir y mettre, par exemple, un support pour votre smartphone, pour d'éventuels guidages GPS. Voilà. Par rapport à la selle, elle va être très confortable, que ce soit pour vous ou pour le passager. Elle est moelleuse. Là, ça fait 45 minutes que je suis sur la machine et aucune sensation de dureté ni quoi que ce soit. Au niveau des amortisseurs, ça va. Vous pouvez prendre des Dodan. Il sera pas du tout tape-fesse. Il vous tassera pas les vertèbres. Les amis, comme d'habitude, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous en masse et mettez-moi un petit pouce sur la petite vidéo, ça me fait plaisir. Je vais arrêter de faire des vidéos un peu n'importe comment là, parce qu'en ce moment, bon, je suis au tout début de ma chaîne, bien sûr, hein. Je suis au tout début de ma chaîne, toi-même tu sais, je poste des vidéos un peu n'importe quand. Voilà, j'essaie d'en poster le max possible, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas daté. Je vais essayer de m'organiser pour en poster une quotidiennement, tous les dimanches. Voilà. Je sais que c'est peut-être pas le bon jour, il y en a qui veulent le samedi, il y en a qui veulent le vendredi. Mais quand j'étais minot, je regardais Automoto. Je regardais ça le dimanche. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais poster ça le dimanche. Et après, il y en aura une autre dans la semaine. Et celle-là, ça peut varier de mercredi à jeudi, vendredi, voilà. Donc quand je vous mets deux vidéos, il y en a toujours une le dimanche. Ensuite, il y en a une qui peut intervenir entre le mercredi, jeudi et vendredi. Si vous n'en voyez pas une mercredi, jeudi, vendredi, vous pouvez être sûr qu'il y en a une qui sort le dimanche. Donc ce sera au minimum une vidéo par semaine. Voilà, c'était une petite mise au point par rapport à maintenant comment je vais procéder pour la publication de mes vidéos. Bon, le compte rendu de cette machine Peugeot XP400 GT. Je vais aller la ramener dans pas longtemps parce que j'ai fait le tour. Pas besoin de la garder 1000 ans. Donc c'est un bon scooter. C'est un très bon scooter. Il va pas être méga puissant, mais je pense pas que tout le monde cherche quelque chose qui tartine fort. Voilà. Je vois énormément de monde rouler en 125, en 300 et en 350. Donc ce scooter, il peut convenir à beaucoup de gens. Voilà. Donc à qui il va convenir? Ah ben, à quelqu'un qui va faire du centre-ville, qui a besoin d'une capacité d'emport. Vous êtes plus que bien fourni là. Vous pouvez ranger un casque et vous avez même un petit emplacement pour mettre votre petite sacoche ou votre banane. Et ça, c'est très bien. Voilà. En plus, si vous mettez votre banane dans le second emplacement, vous pouvez recharger votre téléphone. Donc à qui ça va, il va s'adresser? À quelqu'un, voilà, qui fait du centre-ville. Par contre, si vous faites beaucoup d'autoroutes, de voies rapides, c'est un monocylindre. Il prend 140 max. C'est pas un truc de fou. Ça va vous permettre de doubler, mais la vérité, si la personne d'à côté roule à 135, vous allez un peu galérer à le doubler. Donc ça, c'est bon à savoir. Voilà, c'est un monocylindre. Il n'a pas une vitesse max de fou. Donc il va être plus que suffisant en ville, mais sur l'autoroute, si vous faites quotidiennement d'autoroute, je vous conseille de prendre plus. Voilà. Donc au niveau des qualités, je vais lui mettre le confort, la prise en main, la maniabilité, le fait que vous pouvez un petit peu sortir de la route avec modération, bien sûr. Le fait que vous avez une garde-sol un peu surélevée et une jante en 17 à l'avant. Ça va vous permettre de sauter les trottoirs, tout ça, et ça c'est très bien. Au niveau des points faibles, ce que je lui mettrai, déjà ça va être sa vitesse max, voilà, parce que ça, ça n'engage que moi, mais c'est mon avis. Ensuite, j'aurais aimé avoir un petit frein à main, voilà, ça aurait été bien, ça aurait été pas mal. Petit frein de parking ici, là, ça aurait été cool. La protection au vent, elle va être perfectible. Ça aurait été bien qu'elle soit réglable, parce que je suis pas... Je me prends quand même pas mal de vent, je trouve. Alors, je vous fais un petit tour du propriétaire. Voilà, ça donne ça. Il est pas mal, hein. Franchement, au niveau de l'esthétique, je trouve qu'il est pas mal. Là, vous avez les petits repose-pieds, là, pour le passager. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre un top 15. Voilà, c'est dispo.
Ah, voilà, vous avez vos pieds là en position assis et malheureusement ici, ben, c'est pas assez loin, donc vous ne pourrez pas opter comme sur les T-Max pour une position longue, des pieds allongés je veux dire. Voilà, sinon vraiment je trouve qu'il est esthétiquement, il est vraiment pas mal, hein, il est... son petit bec là. Ça me rappelle le XADV phase 1, certains se sont amusés à faire des face avant comme ça. Bon, moteur made in France, hein, toi même tu sais. Voilà. Bon, au niveau de la sonorité, je vous fais écouter. Alors c'est un bruit standard, hein. C'est pas un truc de fou, c'est pas dégueu, c'est pas fameux, c'est basique, voilà. Un bruit de scooter. Voilà, après, hein, accélération linéaire, toi-même tu sais, tu es sur un scooter. Voilà. Freinage, il est correct, ça freine bien. Non, c'est une bonne bécane, la vérité, c'est un bon scooter. Est-ce que moi je l'achèterais? Non, clairement pas. Voilà, parce que moi du coup, ben... j'ai besoin de quelque chose. Ben moi j'ai besoin de quelque chose qui marche mieux tout simplement. Hein. Surtout que quand on est comme moi et qu'on teste plein de machines, on commence après à savoir plus ou moins ce qu'on aime. Bon, on va rentrer à la concession tranquille. Les amis, comme d'habitude, je vais vous demander si vous avez apprécié la vidéo de vous abonner et de mettre un pouce. Ça vous coûtera rien. Moi ça m'aide à avancer. Doucement, doucement dans ce long marathon dans lequel je me suis lancé. Voilà, hein, l'essai de ce XP400, il touche à sa fin. Oh, on a fait le tour. Hein. Voilà, dans l'ensemble, ça va, c'est plutôt une bonne machine. Je vous mets à la fin de la vidéo la fiche pour aller voir le descriptif du Honda ADV350, parce que je pense que c'est son concurrent direct. Alors, entre le ADV350 et celui-ci, moi, je préfère lequel? Bonne question. Honnêtement, je vais préférer le Honda, malgré que celui-ci ait une superbe finition. Voilà. Moi, je sais pas, je préfère le Honda. Déjà, du fait que celui-ci, ce soit un monocylindre, je trouve que là, dans l'accélération, il manque vraiment quelque chose. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est un scooter. Et, c'est bien, mais voilà, il a manqué un peu quoi. Après, c'est mon avis, bien sûr. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous êtes beaucoup à me demander l'essai du Beverly. L'essai arrive, ne vous inquiétez même pas. C'est juste que il a été hyper compliqué à trouver ce Beverly. J'essaye de trouver aussi un Vespa 300. Parce que je kiffe Vespa, j'ai toujours aimé les Vespa. Voilà les amis, j'espère que cet essai vous aura plu. Si oui, un pouce, un abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines balades, tests, essais et aventures avec moi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.